Entrez, entrez, mademoiselle. Je vous en prie, entrez. Oui, tenez, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Tiens, Eric, merci. Ouais. Dis donc, pourquoi moi? Nous l'avons rencontré ensemble au marché, c'est à tous les deux qu'elle a souri, et nous avons tous les deux accepté de répondre à son sondage. Alors pourquoi ça ne serait pas à toi, pour une fois, de porter les sacs à la cuisine? Mais parce que c'est toi le plus costaud, Eric. Il faut toujours qu'il ait le dernier mot, celui-là. Je vous dérange pas trop, là, à l'heure du déjeuner? Mais pas du tout, mademoiselle. Mademoiselle... Julie. Julie? Oh, quel merveilleux prénom! J'ai toujours rêvé de rencontrer une Julie. Eh bien, si on passe aux choses sérieuses, j'ai des questions à vous poser, moi. Si vous vouliez en même temps poser vos petites menottes à l'intérieur des miennes, tout en posant vos questions, je serais le plus heureux des hommes. Soyez sérieux, Eric. Mais je suis très sérieux, mademoiselle Julie. Moi aussi. Première question. Ouais. Utilisez-vous de préférence un liquide, une poudre ou une boule? Et vous, les moustachus, les costauds ou les hommes aux yeux bleus? J'ai dit poudre, liquide ou boule. Mais enfin, Eric, tu vois bien que mademoiselle préfère les beaux bruns frisés, intelligents et sympathiques, enfin. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Je sais pas, moi. Bah réponds, toi, Eric. Écoute, moi, je sais pas trop non plus. C'est plutôt du domaine de René, ça, les René lessives. Ah bah oui, René, c'est le vrai spécialiste de la maison en la matière. Il est tellement maniaque, vous savez. Bien, bien. Où est-il, ce René? Il ne saurait tarder. Il est parti poster une lettre. Ah, nous allons l'attendre, alors. Oui. En attendant, passons à la deuxième question. Oui, deuxième question. Moi, j'en ai une. Alors, est-ce que vous habitez chez vos parents? Pardon? Écoutez, moi, je suis là pour travailler, hein. Alors, on est des gentils garçons et on oublie que je suis une femme, d'accord? Ça ne va pas être très facile, mais enfin, si vous y tenez vraiment... Ah oui, vraiment. Deuxième question. Avez-vous un petit? Oui, bien sûr, Minet. Bien, bien. Alors, les couches? Ah ben, les couches, alors les couches... À dire le vrai, les couches, ça fait déjà un bon moment qu'on n'en met plus, hein. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas du tout. Alors, les couches avec le petit élastique là, les antifuites ou les super absorbantes? Les bouffantes. Oui, je vois. J'ai affaire à des petits rigolos. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai pas de temps à perdre avec des gamineries, moi. Oh, mais le prenez pas comme ça, mademoiselle Julie, enfin. Moi, je faisais un peu d'humour pour détendre l'atmosphère, quoi. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. On vous a jamais dit qu'il fallait pas travailler sous tension comme ça? Lâchez-moi la main. Vous savez, elle est si douce et si délicate et si bien entretenue. Dites-moi, vous utilisez quoi comme liquide de sèche? Je vous ai dit de me lâcher la main. Mais enfin, Rémi, lâche donc sa main. Framboisier, mêle-toi de ceux qui te regardent. Il est visible que tu ne plais pas, mademoiselle, enfin, et je suis sûr qu'une si jolie demoiselle a très bon goût. Bonjour, mademoiselle, je m'appelle Framboisier. Et moi, Julie. Mais je me demande où je suis tombée, hein. Vraiment, travailler dans ces conditions, c'est au-dessus de mes forces, hein. Oh, mais lâchez-moi tous les deux! C'est vrai, enfin, lâchez-la, cette petite. Elle est là pour un sondage, pas pour écouter des fadaises. Allez-y, mademoiselle Julie, je suis prêt, sondez-moi. Ah, mais moi aussi, je suis bon pour les sondages. Allez-y, questionnez-moi. Moi, je te dis que la boule, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais même pour les tâches très résistantes? Ah, bah oui. Tu en verses un peu sur la tâche, tu frottes quelques secondes et tu mets ton linge dans la machine comme d'habitude. Et le résultat est garanti impeccable. Enfin, quelqu'un de sérieux. Mais enfin, mademoiselle. Je suppose que vous êtes monsieur René, le spécialiste du propre. Oui, ça se voit tant que ça. Et moi, c'est Minet. Je ronronne quand on me caresse. Ne pas, Minet, mademoiselle est allergique à l'humour. Oui, enfin, c'est sans compter qu'elle n'aime déjà pas ni les moustachus, ni les frisés sympathiques. Alors, les grands bretons, je te dis pas. Hein. Je dirais même plus, elle n'aime pas les beaux garçons. Et les petits? Ça ne vous dit rien, petit? Bon, écoutez, si vous voulez le savoir, mon cœur ne vibre qu'au chant du coq. J'aime les garçons sains, moi, ceux qui sentent encore la nature, le foin, les petites fleurs. Pas des gars comme vous. Nourri au gaz d'échappement et pollué par la vie nocturne. Bon, je ne dirai qu'une chose. Vive la campagne! Bonjour. Oh, salut. Je sais pas vous, les copains, mais moi, j'ai couru dans les champs toute la nuit. Je suis sur les genoux. Moi, c'est les bras qui me font mal. Mais pourquoi, mon René? C'est des foies. Ah oui, je les ai retournés toute la nuit. Ah, mais c'est pour ça que j'ai éternué. Je suis allergique au foin. Je vois que je ne suis pas seul qu'elle obsède, cette Julie.
Ah, parce que toi aussi, mon minet. J'ai cueilli 10 000 pâquerettes toute la nuit pour jeûner. Et quand j'ai fini, eh ben, je me suis mis à cueillir des chardons pour Valéria. Ça, tu vois, Minet, c'est le remords qui te ronge. C'est bizarre, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Oui. Eh bien, en tout cas, ce n'est pas possible, les copains. Je ne peux pas rester sur un échec pareil. Oh, non, mais qu'est-ce qu'elle croit, cette Julie, là? Qu'elle va anéantir 5 musclés d'un coup? Oui, tout à fait. Et tout ça pour une histoire de grands espaces, d'air pur et de petites voilà. fleurs. Non, mais on va pas se laisser faire, quand même. Surtout que chez moi, en Bretagne, hein, chez mon oncle Loïc, je les retourne régulièrement, les fois. Ouais. Renseigner au lieu, c'était ça? Monsieur, madame. Les copains, je ne vois qu'une solution. Il faut la séduire. Coûte que coûte. Hein? Coûte que coûte. Attends, Minet, toi, tu dois penser à Valériane. Ah. Tu es hors jeu. Je suis désolé, je suis un musclé aussi. Et c'est l'honneur des musclés qui est en jeu, là. Bien dit. Oui, mais comment est-ce qu'on peut faire? Bonjour, les musclés, ça va? Comme si, comment ça arrive, gaga? Ouais, plutôt comme ça que comme si, si vous voyez ce que je veux dire. Attendez que je devine. Ah oui, je vois très bien. Ah? Oui, je vois très bien 5 petits musclés qui n'ont pas pu séduire une jeune fille. Oh, pour une fois, c'est pas trop grave. Ça, c'est vous qui le dites. Mon Dieu, elle nous obsède. On pense plus qu'à ça. Même que... toute la nuit, eh bien, que je te cours dans les champs, que je te retourne les foins et que je te cueille des milliers de fleurettes. C'est plus possible, hein? Et la réputation, l'honneur des musclés, qu'est-ce que vous en faites, Gueugue? Oui, je vois très bien. Et vous cherchez une idée. Exactement. Eh bien, cette idée, je l'ai. Ah, non, déjà? Mais oui, comme d'habitude. Vous savez très bien que j'ai toujours une solution à vos petits problèmes. Ah, hein, mes petits musclés? Alors, venez avec moi, je vais vous montrer. Mais qu'est-ce que vous allez faire, Gugu? Vous allez voir, ça va être très, très amusant. Bon, à présent, décrivez-moi la ferme. Ben, c'est simple. D'abord, il y a des bottes de foin partout. Et une grande fourche. Il y a toujours une grande fourche pour les retourner, qu'on pose en général près de la cheminée. D'accord. Et ensuite? Ben, ensuite, il y a forcément une très grande table de ferme avec des bancs autour, hein, les copains? Et oui, et sur la table, il y a une nappe à carreaux rouge et blanc. Oui, oui, oui. Et il y a aussi, bien sûr, des tonnes de victuailles, du jambon, du saucisson à l'ail, un gros pain, de l'andouille, des rillettes. Si, j'ai compris. Rémi, passez-moi mon synthétiseur. D'accord. Vous allez voir, ça va être drôle. Ah, vite, tenez. Allons-y. Alors. Mon petit code. Voilà. Bon, et maintenant, il ne reste plus que vous. Laissez-moi analyser les costumes sur mon synthétiseur. Vous savez quoi? Je la trouve beaucoup mieux qu'avant, moi, la décoration. C'est parce que ça te rappelle ta petite jeunesse chez tonton Loïc. Ouais. Dis-moi, chez tonton Loïc, c'est chez lui que t'as appris à brosser les menhirs? En tout cas, moi, je trouve que René a grandement raison, parce qu'il a une idée exceptionnelle. Ah, mais ne serait-ce que pour ce saucisson à l'œil. Eh ben, en parlant de ça, mon gars, ben, te le garde pas pour toi toute seule. Tiens, passe le don par ici, s'il te plaît. Ah ben, tiens, le framboisier, là. Tiens, le framboisier. Oh, gardonnez un petit bout de fromage, là, peut-être. Ah ben, tiens, c'est pas de refus, le balai. C'est bien gros, hein. Eh, dis donc, le petit gars, là. Mais où c'est-il donc qu'elle était passée? Et le chotil gueugueux. Je suis là. J'avais besoin du temps pour étudier l'objectif Julie. Et alors? Eh bien, c'est simple. Je l'ai programmée pour cet après-midi pour qu'elle vienne faire un sondage chez les musclés. Mais elle ne va rien comprendre. Elle est déjà venue. Eh oui, elle ne pourra pas croire qu'on est devenus des gars de la campagne en si peu de temps. Mais non, j'ai tout effacé de son mémoire. Elle sera certaine de vous avoir jamais rencontré avant. Ah, oh, génial! Cette fois-ci, elle ne m'échappera pas, la petite Julie. Mon cher framboisier, je voudrais te signaler simplement qu'on n'a pas fait tout ça rien que pour toi. Ah oui. Ça, c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. Moi, je suis d'avis que cette fois, c'est chacun pour soi. D'accord. Bon, ben, d'accord, mais... la lutte sera rude pour vous, mes gaillards. Et le désespoir encore plus grand. C'est elle. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Un pour tous.
Et toutes pour moi. J'y vais. Mais qu'est-ce qui se passe encore ici? C'est encore un de vos couilles, Gugu. Mais Valy, chérie, mais que faites-vous ici à cette heure-ci? À cette heure-ci? Hein? Que voulez-vous dire? Je dérange, peut-être? Mais non, vous savez très bien que vous ne me dérangez jamais. Eh bien, si, elle nous dérange, ta fiancée, parce que nous avons des choses très importantes à régler, nous, si elle veut tout savoir. Oui, elle veut tout savoir, la fiancée de Minet. Premièrement, ce qu'il fait dans cet accoutrement ridicule, son Bernard. Et ce qu'il fait dans cet odieux décor campagnard, son Bernard. Mais Valy, chérie... C'est-à-dire que nous sommes en train de répéter notre nouveau spectacle, chère Valy. C'est ça. C'est ça. C'est un spectacle rustique, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous me prenez pour une andouille? Ah non, ça, on a déjà ce qu'il faut sur la table. Et elle est déjà bien entamée. C'est tout bien vrai, là, pardonnez, là. Bon, Valy, chérie, écoutez-moi, je vais vous expliquer. Oh, tu ne vas pas te laisser faire par la grande roussette, là, mon billet, hein, Dino. Moi. Et ça vous amuse de jouer les idiots du village? Oh! Mais non, non, non. Ah ben, ça serait-il que ça t'étonnerait, mon gars, qu'elle frappe aussi douce, cette femme-là? Claude! Veuillez cesser de ricaner en prenant cet accent ridicule. Bon, Valy, chérie, je vais tout vous expliquer. La paix! Infâme! Infâme pécan! Mais vous êtes folle! Oh, oui! Mais de quoi je m'en mêle? Bernard, qui est cette fille? Je m'appelle Julie et j'avais rendez-vous avec les musclés pour un sondage. Ah. Ah, voyons. Les musclés font des sondages maintenant. Et comme par hasard, avec une Julie. Pourquoi vous avez quelque chose contre les Julies? Je déteste les Julies. C'est un prénom monstrueux. Un prénom vulgaire. Un prénom d'un quoi? Oui. Faites quelque chose, arrêtez-les, en fait. Écoutez-les, mademoiselle. Mademoiselle. Ah! Vous, l'étrangère, mêlez-vous de vos affaires. Oui, tout à fait. C'est une affaire entre la grande saucisse rousse et moi. Mais écoutez, comment vous faites pour trouver des filles toujours aussi agaçantes? Moi, je vous laisse vous débrouiller avec ceux de Terrienne. J'en ai assez. Oh non, Hugo! Si. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Bon, les filles, arrêtez ça tout de suite, hein. On se calme. Ah non. Cette pimbèche m'a insultée, je vais pas me laisser faire. Hein. Ah, une pimbèche. Moi, une pimbèche. Tu vas me lâcher, je vais tout pour faire. Mon Dieu. Mademoiselle Julie, vous avez vu ce que vous avez fait? Quoi, mais j'ai rien fait, moi. C'est pas moi qui ai fait ça. Je l'ai juste traité de grosse vache. Mais si, c'est moi avec votre appareil. Bah oui, avec cet appareil, oui. Oui. C'est un appareil magique, voilà. Quoi, magique, ce truc-là? Oui. Oh là 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 là, mais mon Dieu. Ah non, Valy, chérie, dites-moi que c'est pas vous. Mais de qui voulez-vous que ce soit, Bernard? Non, mais sortez-moi immédiatement de cette peau de... Bon, honnêtement, les copains, moi je trouve pas qu'il y ait une différence énorme, hein, pas vrai? À part quelques petits détails, enfin, je ne vois pas. Moi je ne suis pas d'accord, les gars. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de différent dans le regard. Une petite lueur d'humanité à plus, peut-être. Et un certain raffinement dans le mugissement. Bon. Valy, chérie. Ma Valy. Ne vous inquiétez pas. Tout va s'arranger. Je suis là. Bernard, si vous ne me sortez pas de cette situation dégradante dans la minute, je vous flanque un coup de corne dont vous vous souviendrez. Alors ça me sidère. Comment vous pouvez vous laisser traiter comme ça par cette mégère? Vous savez à quoi vous me faites penser? À un mouton bêlant.
Jacques, cette soupe aux choux, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ça vient. D'habitude, je préfère les filles plutôt que les casseroles. Mais cette fois-ci, je prendrai bien la place d'Éric. Prends-moi-y. Plus jamais je ne draguerai une fille au marché, je te le promets. Plus jamais. Suffit, vous autres. Passons à la question suivante. Ah non, j'en peux plus, moi, j'ai plus d'idées. Hein. Ça fait au moins 157 fois que j'écris que je préfère la boule à la poudre et 122 fois que je choisis les liquides. Eh ben, ça tombe bien. On passe aux couches-culottes. Ah non! Encore les couches-culottes! Je n'arrive même plus à écrire élastique correctement. Et moi, madame, moi, ça fait... ma tête, c'est elle, elle est même plus anti-fuite cette fois. Au travail, j'ai dit. Et dites donc, c'est votre faute, moi, si j'ai perdu ma journée de sondage en ville. Alors, il vous reste 300 exemplaires chacun à remplir encore. 300? Alors là, je vais craquer, c'est sûr. Hein. Mais c'est pas humain de nous traiter comme ça aussi. Bah, c'est vrai, quoi. On n'est pas des bêtes, tout de même. Ah, vraiment? Abusez pas de ma patience, hein, les musclés, sinon... Ah non, pas ça. Attention, j'arrive. Mais ça sent drôlement bon. Bernard, vous savez très bien que je ne veux pas que vous mangiez du chou. Ça ne vous réussit pas. Mais j'ai faim, moi. Oui, de toute façon, la vache et le mouton, là, vous êtes au régime sec. Oh, mais vous n'allez pas les laisser mourir de faim, quand même. Ah ouais? Eh ben, puisque vous êtes si malin, allez donc leur chercher de la paille. De la paille? Bernard, on ne chipote pas quand on n'est plus qu'une bête. Oh, c'est bien joli tout ça, mais où est-ce que je la pose, cette marmite? Parce que ça commence à être lourd maintenant. Posez-la là, sur la table. D'accord. Attention à mes formulaires, hein, je tiens pas à tout recommencer. Non plus, hein. Alors, voyons ça. Ça me semble bon. Vous appelez ça de la soupe aux choux? Mais ouais, mais moi, ma spécialité, c'est le cassoulet, vous comprenez, alors... Mais enfin, j'ai mis toute mon âme pour cette préparation, ça, je vous le jure, hein. Oui, et ben ça remplace pas le lard. Retour au fourneau, mon garçon, et plus vite que ça. Mais combien de fois faudra-t-il, je vous explique que je n'en ai pas du lard, je ne peux pas les battre. Je n'en ai pas. Vous voulez peut-être que je vous en trouve, hein? Non, ça va, je vais me débrouiller, mademoiselle, je vais... Ouais. Oh, je vais me débrouiller, oui. Où est passé le dieu? Ça met autant de temps que ça, une extraterrestre. Ah, se détendre les nerfs. Mais oui, mais de toute façon, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle fasse? Elle a même plus son synthé. Voilà. Mais enfin, René, vous n'auriez pas une autre paille de meilleure qualité? Celle-ci ne convient qu'à une vache très ordinaire, voyons. Mais Valise, c'est tout ce qu'on a ici? Évidemment. Si tout le monde y met de la mauvaise volonté... René, approche. Qu'est-ce qu'il y a, mon Minet? Faites quelque chose, enfin. Ne restez pas là comme ça. Piquez-lui son synthé à cette Julie, là. Je sais pas, moi, faites quelque chose. Oh, pour une fois, vous faites preuve d'une grande intelligence, Bernard. C'est vrai, René, faites immédiatement quelque chose. Vous êtes quatre musclés, n'est-ce pas? C'est le moment de le prouver. Mais Valériane, même en tant que vache, vous voyez bien ce qui se passe ici, hein? Nous, on peut rien faire qu'obéir. Sinon, Julie, avec le synthé d'Ilgueugue, elle va nous transformer en je ne sais pas quoi, moi. Et ça va être une vraie basse-cour, ici. Qu'est-ce que j'entends? On complote? Ils ruminent, c'est tout. Oui, et ben vous leur dites de ruminer en silence, s'ils veulent pas finir en méchoui ou en bourguignon. Et vous, René, vous retournez à votre place. Oui. Bien. Nous allons maintenant aborder la question suivante, les cures amaigrissantes. La paix, vous autres. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe, c'est Julie. Elle a transformé Valériane en vache. Oui, et Minet en mouton. Oui. Et puis si on bouge un cil, elle menace de tous nous transformer en bestioles. Exactement. Et si vous faites un pas de plus, je vous réserve le même sort, la blonde. Ah, vraiment? Sans aucun doute. Parce que je sais pas comment ça marche, mais je sais m'en servir de votre machin. Et en plus, je sens que ça m'amuserait énormément de vous fourrer dans la peau d'une petite bête à poils. Essayez donc. Attention, Ilgueugue, elle sait vraiment le faire marcher, votre santé. On parie. Alors ça, vous allez être servi. Espèce de grenouille. Ça ne marche pas. Pintade. Truie. Dindon. Chef. Commencez à me fatiguer, mademoiselle Julie. Petite mouche bleue. Adieu, Julie. Ilgueugue, ma chérie. Mais pensez à moi, enfin. Je ne vais pas passer le reste de la soirée dans cette peau de...
aussi, le gueugue. J'en ai assez de manger du foin. Mais, et moi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ne me dites pas que ça ne marche plus. Eh bien, vous, l'étrangère s'occupera de vous un peu plus tard, ma chère Valie. Mais le gueugue, ma Valie... Écoute, mon Binet, ça lui fera les pieds. Oui. Hein? Ça lui fera les sabots. Je suis d'accord. Après tout, elle mérite bien une punition. Voilà, allez. En plus, tout de même, traiter il gueugue d'étrangère... Alors là... Mais vous aussi, vous méritez une petite punition, les musclés. Nous? Oui, tout à fait. Vous ramenez des filles toujours impossibles à la maison. Tout est de votre faute. Et moi, je dois tout arranger après. Alors, j'ai décidé de vous montrer vos karmas dans ce moment-là. Eh oui, cinq petits musclés, c'est aussi quelquefois cinq petits cochons.